Laissez-moi partir. Vous avez ce que vous voulez. C'est vrai. Commissaire Tanner, quel honneur. Il y a du nouveau? Attendez, oui. Elle a été écrasée. Ah, et ça je le savais. Quoi d'autre? Rien pour l'instant. Léo. Bonjour, Billy. Pourquoi t'es pas venu au port? On t'a attendu. On a pourtant essayé de te joindre. Les horaires des visites à l'hôpital ont changé. Ah, désolé, c'est le bébé. Ma femme est sur les rotules. Ouais, je comprends. Bonjour. Bonjour, commissaire Lohmann. Alors? Qui c'est, celle-là? Nadia Meyer, 23 ans, née à Leipzig, prostituée. Elle sortait de chez un client. Il venait de la payer. Elle avait quelques billets en poche. Il n'était peut-être pas content d'elle. En tout cas, l'argent n'a pas été volé. Elle s'est fait écraser par un pont roulant sur le port. Et le conducteur? Il est en cellule en train de dessouler. Il pue l'alcool. Il s'agit peut-être d'un accident. Mais que faisait-elle dans le port? Qu'est-ce qu'elle y cherchait? Ce bon vieux Léo. Il s'obstine à vouloir trouver l'affaire du siècle. Reste sur Terre. Je ne vois pas pourquoi vous vous braquez contre mon idée. Je vous achète vos tableaux, mais vous les retouchez un tout petit peu. J'aime ce que vous faites, je vous assure. Mais le rouge dans mon cabinet, c'est hors de question. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas me demander de... Excusez-moi.
Oui. Salut, Trésor. Ah, tu vas enlever les bordures en stuc. Où êtes-vous allé vous terrer? Chouette costume. Armani. Armani? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Garçon, un black label avec un peu d'eau. Un peu d'eau et quelques gouttes de citron. Excusez-moi, où en étions-nous? Quoi? Je ne peux pas. Je peux vous faire un nouveau tableau avec vos couleurs, mais je ne peux apporter aucun changement à des œuvres anciennes. Qu'avez-vous contre le rouge? Rien, je dois penser à mes patients. Quand ils sont dans la salle d'attente et qu'ils entendent la roulette, ils n'ont pas envie de voir une œuvre qui évoque le sang. Ah. Je ne veux pas de nouveaux tableaux, je veux les anciens, dans les tons lilas. Lilas. Avec la pute, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a eu un accident, apparemment. Bien. Vous avez le disque dur? Oui, bien entendu. J'espère. Il l'aurait dégommé comme ça. Il a été un peu trop loin. Il faut qu'on trouve une solution. Vous devriez essayer les fruits de mer, c'est excellent, surtout pour la matière grise. Ça vous prendrait une demi-heure, pas plus. Qu'est-ce que ça a de si difficile? Je ne fais pas ce genre de travail, ça ne m'intéresse pas. Bon, j'ai une idée. Je vais le retoucher moi-même. Ou mon épouse, elle a un bon coup de pinceau. C'est ça, demandez à votre femme de peindre pour votre cabinet. Il voulait certainement effacer son nom. Eh bien, c'est raté. Des gens blancs comme neige, il y en a, ça coûte rien. Candidat pour Hambourg, oui. Il ne va pas beaucoup relâcher la pression, information, banquet. D'accord. Vous voulez encore du vin? Vous voulez du vin ou... Est-ce que vous m'écoutez? Mais oui. Vous savez, il y a beaucoup d'artistes dans votre branche qui donneraient leur bras droit pour avoir ce genre de proposition. Vous avez dit dans ma branche? Oui, les artistes handicapés sont plutôt à la mode, surtout depuis l'avènement de l'art psychiatrique. C'est là qu'il faut recruter votre peintre. Je crois que le lilas est très apprécié par les maniaco-dépressifs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Changer les règles du jeu, sans ça, c'est sa vie qui est menacée au final. Maintenant, vous parlez ma langue. Dites les deux mots magiques et nous ferons affaire. Butez-le sans état d'âme. Réglez son compte. C'est une affaire qui marche. Alors, répétez-moi comment vous avez entendu cette conversation. Écoutez, je lis sur les lèvres, je l'ai précisé tout à l'heure. Mais vous étiez à l'autre bout du restaurant. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Ce que j'ai vu, c'est qu'un des deux hommes a ordonné à l'autre de commettre un meurtre, vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas me dire leur nom. Non, mais ils ont parlé d'un banquet.
Si vous arrivez à découvrir de quelle manifestation il parlait, vous arriverez peut-être à empêcher ce meurtre. Vous pouvez lire toutes les lettres sur mes lèvres quand je vous parle? Non, bien sûr. Parfois, il y a des similitudes entre certaines lettres. Par exemple, NTD, vous comprenez? C'est difficile de faire la différence. Il y a une suite de mouvements de lèvres qui forment une phrase, d'accord? Et quand on n'a pas tout compris, on remplit les vides pour donner un sens à la phrase. On joue aux devinettes. En quelque sorte. Et en fait, puisqu'on se perd en conjecture, le type, il aurait pu demander au serveur un truc du genre « une bouteille pour cette dame ». Et vous vous êtes fait des idées et vous avez lu « buter le sans état d'âme ». Mais puisque ce n'est pas au serveur qu'il a adressé ces paroles, je vous dis que je sais ce que j'ai vu. Vous pouvez me les décrire? Oui. C'était deux hommes d'affaires, bien habillés, surtout le plus âgé, Armani, je pense. Armani? Je croyais que vous ne connaissiez pas leur nom. Non, c'est la marque de son costume. Armani, le célèbre couturier. Il avait plus de 50 ans, grand, cheveux poivre et sel. Et il s'est commandé un whisky. Un black label avec un peu d'eau et quelques gouttes de citron, je me souviens de ça. Oui, et puis ça va nous aider, surtout. Oh, j'ai tout mon temps, mon pote. Toute la nuit, s'il le faut. Demain matin, on se prend un petit café, et on continue comme ça tous les deux, jusqu'à ce que tu te mettes à parler. Loman. C'est tout pour ce soir. Mais il a passé toute la journée en cellule à dessouler, alors on peut... Arrivez bien à l'heure le matin au lieu de jouer au superflic, Loman. Celui-là, quel emmerdeur. Oups. Léo? C'est le rapport toxicologique de la jeune femme. Elle devait faire les choux gras des dealers de coke colombiens. Elle avait aussi deux extasies dans le ventre. Écoute ça. Des résidus de cocaïne sur diverses parties du corps, sous les doigts, sur la poitrine, dans le nombril et même dans les parties vaginales. Elle défonçait grave et lui complètement bourré. C'est pas surprenant qu'ils se soient rencontrés. Invité à dîner par des clients. Ça fait partie du métier. Et si toi, tu sais te vendre, tes tableaux aussi se vendront bien. Vraiment, tu crois? Mais oui, bien sûr. Les clients veulent se sentir importants. Et un jour, quand tu seras célèbre, ils pourront se vanter d'avoir passé une charmante soirée avec toi. Et là, tu verras que ta cote fera un bond de 6 mètres. Je ne peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis nerveuse à cause de vendredi. Ta, ta, ta. 6000 marques? Pourquoi? Pour toi? Une avance, pour que tu puisses te concentrer sur ton exposition. Ah.
Non, je ne peux pas accepter. Oh, s'il te plaît. Mais ne va pas tout investir dans ta vieille masure. Bien obligé. Je veux garder la maison, je l'aime bien. Elle était à mon grand-père. Oh, achète-toi au moins une belle robe. Pour une fois, fais-toi plaisir. Ça me fait plaisir de la rénover. Et si les gens n'aiment pas mes tableaux? Eh bien, si c'est le cas, tu seras bien obligée de me rembourser ta dette jusqu'au dernier sou, Laura. Tu feras des ménages. Idiote. Je crois en toi, l'exposition sera un succès. Tu vendras tous tes tableaux. Merci, Margaret. Tu as les empreintes? Oui, Minu. Fais-moi grâce de tes mensonges. Garde-les pour tes mémoires. Écoute, je voulais te téléphoner. Oui, bien sûr. J'en ai assez de calquer ma vie sur la tienne. J'ai besoin d'un homme qui soit là pour moi. Je sais, oui. Je me suis conduit comme un sale. Oui, c'est vrai. Pourquoi on ne va pas manger français? Je ne peux pas. Tout le département fait des heures sup ce soir. On épluche les comptes d'une nouvelle banque. C'est laquelle cette fois, hein? Merkeopitz? Non, c'est confidentiel. Si ton département tombe sur mon compte numéroté, tu peux oublier le restaurant français. Bon, écoute, on se voit demain soir à 8h. Et ne me fais pas attendre. Jean? Bonjour. Oui, je sais, j'ai beaucoup de retard, désolé. Hein, il y a du nouveau sur la fille? À part une enfance maltraitée, rien de fulgurant. Et quoi de neuf sur le conducteur? Je suis arrivé à le faire causer. Il prétend qu'il y avait une voiture garée près de l'embarcadère. Mais il ne se souvient pas de la marque, et bien sûr, il se souvient encore moins de sa couleur, claire ou foncée, rien. Il dit seulement qu'il a vu une voiture. Mais il était tellement beurré, ce mec-là, qu'il aurait confondu des souris blanches avec des voitures. On va voir. Quelqu'un a peut-être vu des trucs. Pour l'instant, on n'a pas un seul tuyau. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ma petite à l'hôpital. Déposition. Témoignage sur la préparation d'un meurtre. Le plus âgé d'entre eux portait un costume de chez Armani et buvait du Black Label. Le plus âgé a dit, butez-le et réglez son compte au capital. Quelques gouttes de citron. Le disque dur avait de l'importance. Madame Laura Tillman. Oui, bonjour. Tanoer, police criminelle, je vous dérange? Non, vous pouvez entrer. Ça vous plaît? Oh, je ne comprends rien à l'art. Ça ne fait rien. Merci. La plupart des gens réfléchissent trop et n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Madame Tillman, dites-moi, vous aviez rendez-vous dans ce restaurant, le Sacré-Cœur? Appelez-moi Laura. Madame Tillman, ça fait institutrice. C'est vrai, non? Ce n'était pas un rendez-vous, c'était plutôt un dîner d'affaires. Un dentiste voulait m'acheter quelques tableaux. Félicitations. Merci. Et il n'a pas pu voir les deux hommes ni entendre leur conversation de là où il était? Non. Non, parce qu'il leur tournait le dos. Et vous êtes sûre et certaine qu'il n'a pas pu les voir? Non, sûrement pas. D'accord, je vous crois. Cela dit, ce projet d'assassinat que vous avez lu sur les lèvres, c'est quand même pas... Enfin, c'est tout à fait inhabituel. Pour vous peut-être, pour moi non. Oui. Et l'un des deux hommes a bu du Black Label avec de l'eau et quelques gouttes de citron. Vous êtes sûr de ça? C'est important. Non, non, non. C'est un détail très intéressant. Vous vivez seul ici? Oui. D'après vous, je suis en danger? Oh, non. Merci pour le café. Merci d'être venu. C'est mon travail. Au revoir. Au revoir.
t'arrive, mon vieux. C'est l'âge. Dans le temps, tu l'aurais rattrapé, celle-là. Je suis sûr de toi. Je vais quand même te flanquer une bonne raclée. Eh ben, on continue. Ah, t'en as plus pour longtemps. Et on va voir. T'as un compte à la banque Mercéopix? Ils vont avoir un contrôle. Non. Mais merci pour l'info. T'as mangé au Sacré-Cœur récemment? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'espionnes ou quoi? Non. Quelqu'un t'a vu? Une jeune femme? Oui. Un de tes petits flirts, c'est ça? Non. Ce n'est pas le genre que je fréquente d'habitude. Elle est sourde. Et elle arrive très bien à lire sur les lèvres. Tu comprends? Est-ce qu'elle me connaît? Non. Mais elle a raconté des tas de trucs ahurissants. Tout a été consigné en bonne et due forme dans l'ordinateur central. Est-ce que tu as fait des projets de meurtre récemment? Mais non, tu es fou. Oh non, je te répète ce qu'elle a dit. Et à ton avis, qui je pourrais faire tuer? Elle n'a pas dit de nom. Elle a dit que c'était lors d'un banquet que ça devait arriver. Lors d'un banquet? C'est quoi tout ça? Tu me soupçonnes? Et il y avait un truc sur un disque dur avec des noms. L'interrogatoire est terminé? Ouais. Tu as perdu. C'est pas mal, hein? C'est ici même que j'aurai mon bureau quand tout sera terminé. Mais qu'est-ce que tu as? Je veux reprendre ma liberté. Mais pourquoi? Quelle idée? J'en ai marre de cette ville. De ce travail chaque matin, je me demande pourquoi je le fais. Parce que tu es mon ami, puis... Je m'en suis toujours sorti tout seul. Tu crois? Pourtant, souviens-toi. Allez, Helmut, s'il te plaît, aide-moi. J'ai beaucoup d'ennuis ces temps-ci. Eh, d'accord, je sais. Il n'aurait pas été bien loin avec la procédure engagée contre toi. Heureusement que tu as eu comme témoin un homme d'affaires sérieux, dis donc. Si je suis libre, c'est grâce à toi. Je ne l'ai jamais oublié. Moi non. Billy, j'ai encore besoin que tu restes à ton poste pendant quelque temps. Allez, viens. Tu vois les docks là derrière? Oui, oui. Qu'ont-ils de spécial? Ça va devenir l'un des ports de fret les plus modernes d'Europe. Que tu construiras, bien sûr. Mais le directeur du port est loin d'être d'accord avec moi sur leur devenir. Mannheim. C'est le candidat au Sénat? Exactement. Et sa devise, c'est sauver le vieux port. T'inquiète, il fera comme les autres. Il ne fera pas ce qu'il a dit. Oh oui, peut-être seulement en attendant. Je suis obligé de me préoccuper de mon image, qui est celle d'un homme d'affaires sérieux. Dans la vie, l'image, c'est ça qui compte. Si cette femme me traîne dans la boue avec de fausses accusations, Mannheim va me crucifier. Et si je fais les gros titres des journaux, je n'aurai plus aucune chance de faire aboutir tout ça. Est-ce que tu comprends? Ouais. Que dois-je faire? Merci d'être venu. Bonjour, Laura. Bonjour, Monsieur Tanoer. Monsieur Tanoer, ça fait un peu instituteur, non? Billy. Billy. Et sur votre passeport, il y a quoi? Si je vous le dis, vous allez rire. Je ne vais pas rire. Friedel.
Désolée, mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai dépassé ce stade aujourd'hui, je suis Billy. Billy, ça me plaît. Salut Billy, ça gaze ? Laura, je vous présente Peter. Peter, Laura, attention, c'est un voyou. Enfin un peu de soleil. Je vous aurais prévenu. Que voulez-vous boire ? Un gin tonic. Tiens, pour moi aussi. Entendu. Désolé de vous interrompre, mais qu'est-ce que vous dites ? Je fais la conversation à ton ami. Oui, j'ai remarqué, mais depuis quand tu connais le langage des signes ? Depuis longtemps, ma sœur est sourde. Quelle sœur ? T'as une sœur maintenant ? Et pourquoi je parlerais de ma sœur à un mec comme toi ? Ça alors, j'en reviens pas. Et maintenant que tu as parlé tout ton saoul, on peut avoir à boire ? Capitaine met le cap sur le port. Interview avec Heinrich Mannheim, candidat pour Hambourg. Candidat pour Hambourg. Le capitaine met le cap sur le port. Le capitaine, capitaine. Capitaine, capital. Régler son compte au capital. Régler son compte au capital. Régler son compte au capitaine. Régler son compte au capitaine. Régler son compte au capitaine et vite. Régler son compte au capitaine et vite. Monsieur Mannheim ? Oui ? Heinrich Mannheim ? Oui ? Monsieur Mannheim, vous voulez bien me donner un autographe ? Volontiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Mannheim. Oui. Vous avez les salutations de la pute. Quoi ? Qui êtes-vous ? Vous n'allez pas faire ça. Pourtant si, Heinrich. Oh ! Oh ! Oh ! Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Heinrich Mannheim a été tué. Quoi ? Mannheim, le candidat au Sénat. Mesdames et messieurs, ce matin, à 8h, le candidat Mannheim...
voulez-vous effacer? Bonjour. Salut. Aujourd'hui, ils sont tous déchaînés. Effacer. Eh, hey, dis-moi. Il y a une certaine Laura Tillman qui t'attend en bas. Tu lui as donné ta carte? Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a l'air très nerveuse. Merci. Laura, que se passe-t-il? Laura. L'homme du restaurant, ce n'est pas du capital qu'il a parlé. Il a dit régler son compte au capitaine et vite. Hey, détendez-vous. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Comment? Est-ce que ça va? C'est mon appareil, il a été piétiné. Calmez-vous, Laura, voyons. Celui qui a tué Mannheim, c'est l'homme du restaurant. Mannheim? Que savez-vous de cette affaire? Attends, Léo. Vous en êtes tout à fait certaine? Laura, attendez un moment. Qui est-ce? Tu la connais? Des tableaux. Des tableaux? Oui, c'est abstrait. C'est peut-être un témoin. Je ne veux pas que son visage apparaisse dans tous les journaux. Tu joues toujours au Superflic? C'est notre dernière chance, Léo. Tu ne veux pas que ce soit Krupp qui récolte les lauriers? Ça, non. Aie confiance. D'accord. On va s'en occuper. Je vous raccompagne chez vous. Je dois passer chez mon prothésiste. Aucun problème. Ce n'est pas la fin du monde. Dans 10 jours, vous aurez un nouvel appareil. Parlez lentement, sinon comment voulez-vous que je lise sur vos lèvres? Je suis désolée. Cet appareil, pourquoi il faut si longtemps pour en faire un autre? Si tout n'est pas parfaitement réglé, je n'entends qu'un sifflement. Il vaut mieux ne rien entendre, non? Oui. Ça vaudrait mieux. Rien qu'un silence de mort. J'ai froid. Qu'y a-t-il? On sonne. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai apporté l'album de famille. Pas tout de suite. Ça ne prendra qu'un moment. Madame Tillman, c'est plus simple sur l'ordinateur, mais ça n'a pas d'importance. Si une des photos vous dit quelque chose, vous me le dites. Les photos sont classées par ordre alphabétique et disposées selon l'âge et la taille de l'individu. Nous avons le temps. Regardez chaque photo le temps qu'il faudra. Elle est sourde, Loman. Je suis désolé. Ça ne fait rien, viens. À plus tard. Allô, oui? Non, nous n'avons effacé aucun rapport, ça non. Non, pas dans mon service, c'est impossible. Qui ça? Loman? Bien sûr. Et vous savez ce qu'il y avait dans ce rapport? Vous l'ignorez. Qui a pris la déposition? Dans ce cas, faites une enquête. Loman. Vous n'avez pas besoin de faire ça maintenant. Merci.
Quand... Dites-moi, quand avez-vous perdu Louis? À 7 ans. Ça vous intéresse vraiment? Ouais. J'ai eu une méningite. Cela a beaucoup affecté mon père. Il a refusé d'apprendre le langage des signes. Je crois qu'il avait honte de moi. Quelqu'un qui parle avec les mains, ça vous ferait honte? Non. Je suis bien sortie avec une Italienne. Je ne sais pas quel effet cela me ferait, si j'étais sourde de naissance. Oui. Heureusement, j'ai grandi en entendant. Quand je vois des arbres se balancer dans le vent, j'entends encore le bruissement des feuilles dans ma tête. Et je me sens profondément attachée à ce bruissement, bien que je n'entende plus rien. Enfin, pas comme avant. J'ai l'impression de le voir, ce bruissement. Il n'y a que quand je ferme les yeux que j'entends le silence. C'est lui. C'est ce type-là. Vous en êtes sûr? Oui. Dis-moi ce que tu veux, Billy. Un meurtre, Helmut. Merde, t'as disjoncté, t'es dingue? Aucun de nous n'a voulu ça, Billy. Crois-moi, c'est vrai. Juste pour construire quelques immeubles à la con, Mannheim, tu le flingues aussi sec! Tu vois ça, Billy? C'était du Mannheim, ça. Il a engagé une pute pour me voler mon disque dur. Quelle pute? Quel disque dur? Oublie la fille. Mais mes fichiers sur le disque dur. Toutes les transactions effectuées depuis au moins 10 ans sont enregistrées sur ces fichiers. Est-ce que tu réalises au moins qui sont mes partenaires? C'est la fine fleur des truands et du crime organisé, mafia, yakuza, t'appelles ça comme tu veux. Pour chaque pierre que j'érige, où que ce soit, ces mecs-là y mettent du pognon. Et tu as des fichiers où tout ça est consigné? Je te pensais plus intelligent. Que dois-je faire? Tout retenir par cœur? Je suis pas un ordinateur, moi. Bon sang, tu oublies qu'on est amis? Essaie de te souvenir, à l'époque, quand tu as presque assassiné ce petit souteneur, est-ce que je t'ai fait la morale? Souviens-toi, hein? Est-ce que je t'ai posé des tas de questions? Non. Non. J'ai fait un faux témoignage pour te sortir de tes emmerdes. J'ai risqué ma peau pour toi, sans une seule hésitation. Et maintenant, c'est moi qui ai besoin de toi. Alors maintenant, aide-moi. Pourquoi Mannheim voulait-il récupérer le disque dur? Et comment penses-tu qu'il a financé sa fulgurante carrière? Tout est enregistré sur ses fichiers. Toi aussi, tu y es. Qu'est-ce que tu dis? Ces dernières années, je t'ai filé un sacré paquet de pognon. Ce disque dur, où est-il maintenant? En sécurité, grâce à notre ami Zutto. La fille? Elle l'a identifié. Remercie le ciel que celui qui l'accompagnait n'ait rien vu. Tu n'avais pas dit qu'elle était accompagnée ce soir-là? Marcus Dietrich, c'est un dentiste. Helga? Oui? Il n'y a plus de patients? Non. Le prochain est à 14h. Bon, alors portez les moulages au labo et vous pouvez aller manger. Merci. Bonjour. Oui? Bonjour, je m'appelle Franz Baker. J'avais rendez-vous à 15h.
Vous pourriez me prendre plus tôt, ça me fait trop mal. Non, il faut d'abord que je mange. Revenez à 14h si vous voulez. Donnez-moi au moins quelque chose contre la douleur, c'est vraiment insoutenable. C'est quoi ça? Vous n'avez qu'à me donner ça. Il vaut mieux vous allonger. Ce n'est pas un jouet. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Que voulez-vous? Qu'est-ce que... Non, je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez. Oui, bien entendu. Je sais. Non, non. Je dois seulement m'assurer que vous me direz toute la vérité. Vous comprenez? Et maintenant, tu vas me dire où elle crèche, ta jolie petite amie. Voilà. Ça va. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai quelques questions à vous poser. Loman a-t-il des problèmes chez lui? Pourquoi vous ne lui demandez pas? Nous n'avons pas les meilleures relations du monde. Je me suis laissé dire qu'il était souvent absent pendant ses heures de service. Je ne crois pas que ce soit le cas. Est-ce qu'il a des ennuis? Oui. Un rapport a été effacé dans son ordinateur. Si vous êtes au courant, je veux que vous le disiez maintenant. Attendez, vous croyez ça? Écoutez, il ne s'agit pas de ce que je crois. J'essaie de trouver des raisons à son comportement. Écoutez, Loman a 3 enfants à élever avec un salaire de fonctionnaire. Et son dernier enfant a une grave maladie cardiaque. On est un peu déboussolé dans ce genre de situation, je crois. Je vous ai fichu la trouille. Non. Je ne voulais pas, je suis désolé. Je rêvassais. Oui, je passais tout à fait par hasard et j'ai vu votre affiche pour le vernissage. Et j'ai lu Tillman. Et je me suis demandé si ce n'était pas Laura Tillman, peut-être. Oui. Vous connaissez Laura? Oui. Je la connais un peu. Hé, t'as des ennuis?
Avec Krupp? Non. Et la fille, elle n'a reconnu personne sur les photos? Non, hélas. Merde. Tu t'attendais à quoi? Elle prétend avoir lu sur les lèvres d'un mec à l'autre bout d'un restaurant plein à craquer qu'il préparait un meurtre. Votre attention, s'il vous plaît. L'un d'entre vous pourrait-il se charger d'une affaire qui vient de nous arriver? La victime est un dentiste, le docteur Marcus Dietrich. On s'en occupe. Pour Mannheim, chef, on est peut-être sur une nouvelle piste. Une commission spéciale s'occupe de cette affaire. C'était un trop gros morceau pour vous, de toute façon. Et moi, je t'emmerde, vieux connard. Tu es tout simplement divine. Je ne sais pas comment font les hommes pour te résister. Les hommes, toi, tu les surestimes. Oh mon Dieu, je me sens si nerveuse à cause de ce vernissage. Tu n'as aucune raison de t'angoisser. J'ai quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à toi. Et en plus, il a l'air riche. Margaret. Oh, désolée. Tu as un nouveau fan. Oui, peut-être. Non, c'est sûr. Un certain Becker. Il est plutôt pas mal, agréable, et il a l'air plein aux as. Et il dit qu'il te connaît. Ah bon, tiens donc. Allez, au travail. Pourquoi vous vous êtes disputé? Non, je ne suis pas fâché, je te le promets. Maman est à l'hôpital, oui, avec Patricia, tu le sais. Je vais bientôt rentrer à la maison, Trésor. Passe-moi Christian. Allez, bonne nuit. Christian! Je t'en achèterai un autre. Parole d'honneur, je te le promets. Non, je sais, t'es un grand garçon, excuse-moi. Et cessez de vous disputer tous les deux. Tu sais bien que je suis perdu sans toi à la maison. Billy, où tu vas? Dans une vente après une faillite. Je l'ai eu à bas prix. Il n'est pas exceptionnel, mais... il est à moi. Non, non, ça va aller. C'est trop serré. Non, ça va, merci. Vous êtes vraiment unique. Êtes-vous séduit par mes dons d'infirmière? Non, ce n'est pas ça.
autre chose, votre façon d'être. Comment suis-je? Les mots me manquent. Merci. Pourquoi? J'ai confiance en vous. Il ne faut pas avoir confiance en moi. Je veux bien courir ce risque. Hé, hey, Rudler, t'as des nouvelles sur l'affaire du port? Sur l'affaire du port? Ah, la call girl. Non, j'ai pas encore eu le temps. Ah, c'est super. Écoute, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu ma femme. Eh ben, ça lui fait des vacances. Continue comme ça. Va te faire foutre. Hé, hey, Billy, où est-ce que t'étais encore? Hier, il y a eu une fusillade devant chez ton ami. Mais quand on est arrivé, il y avait plus un chat. Ouais, je sais. Quelqu'un a tiré sur elle, mais je suis arrivé avant le massacre. Et elle va bien? Oh, vu les circonstances, pas mal. Et tu l'as reconnu? Non, je ne l'ai pas reconnu. Tout a été trop vite. Il y a donc quelque chose de vrai dans son histoire. C'est peut-être elle la clé de toute l'affaire Mannheim. Il faut absolument qu'elle vienne et qu'on fasse un portrait robot de ce type. Va te faire foutre, Tanoer. Elle est jalouse, la jolie. Tais-toi un peu. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Non, vous devez prendre rendez-vous. Billy? Laissez-nous seuls, fermez la porte. D'accord, d'accord. T'es pas un peu cinglé de faire irruption dans mon bureau de cette façon? Tu m'as joué le grand jeu l'autre jour. Tu m'as sorti un discours à faire pleurer dans les chaumières. Seulement, dès que j'ai le dos tourné, tu lâches ton tueur dans la nature, la bave aux lèvres. C'était moi qui devais régler la question, à ma façon. Et je n'ai pas changé d'avis. Surtout que depuis votre petit échange, c'est devenu trop dangereux pour lui. Il a quitté la ville. Tu veux me faire avaler que, sans que tu lui en donnes l'ordre, ce mec a commis 2-3 meurtres à Hambourg pour le seul plaisir de tuer? Non, mais c'est un professionnel. Et en ce qui te concerne, on ne peut pas en dire autant. C'est très désagréable d'être jeté en prison. Surtout pour un policier. Autrefois, je t'ai tiré d'affaire. Je le referai aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui m'a parlé de ce Marcus Dietrich, le dentiste? J'ignore comment tu vois ça, mais pour moi, il s'agit de complicité de meurtre. Allons, Billy. Faut que tu sautes le pas. Les accidents, il y en a tous les jours. C'est une belle journée pour un accident. Je te le garantis. Cette fille est aussi dangereuse pour toi que pour moi. Tu n'entends pas comme un gargouillis, Billy? De quoi parles-tu? Ah, moi, j'entends très clairement. C'est le bourbier dans lequel nous sommes englués.
Toi, tu ne l'entends pas parce que tu es dedans jusqu'au cou. Et si tu as encore de l'air pour survivre, c'est grâce à la paille que je te tends. La fille. Billy. La fille. Vous voulez m'aider? J'ai des questions à vous poser. J'ignorais que votre bureau avait été transféré aux toilettes. Vous avez battu votre supérieur au mini-golf ou quoi? On a effacé un rapport sur votre ordinateur. J'aimerais savoir ce qu'il y avait dedans. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Le service du traitement informatique a craché votre nom en grosses lettres rouges. Tout ça est absurde. Un homme peut faire des bêtises, surtout quand il a des problèmes d'argent, Loman. Et plus particulièrement quand la vie de sa fille est en jeu. Tu te prends pour qui, dis donc? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Qu'est-ce que tu sais de moi? Rien, rien du tout! Réfléchissez, c'est un conseil. Où vous allez? Je vais vider mes tiroirs. Vous retournez travailler, c'est compris? Tu effaces. Je coupe et je colle. Tanaway, quoi? Krupp, quand tu allais le voir, il t'a posé des tas de questions sur moi. Il voulait savoir si tout allait bien chez toi. Et tu lui as dit des tas de trucs sur ma fille. Je voulais t'aider, j'ai le droit. Ah ouais? Ah, tu m'as vachement aidé aussi quand tu as effacé un rapport sur mon ordinateur. Quoi? Je cherchais un truc et j'ai peut-être appuyé sur une touche sans le faire exprès. Tu traficotes mon ordinateur. Tu es embringué dans une méga fusillade et tu te casses sans dire un mot. Mais qu'est-ce que t'as à la fin? Je voulais éloigner Laura. Oh, c'est fabuleux. Je vais te dire un truc. Il y a quelqu'un qui a vu le suspect monter dans une voiture louée. J'ai moi-même suivi la voiture jusqu'à l'aéroport. La voiture a été louée à un certain Franz Becker, figure-toi. Et tu sais quoi? Franz Becker nous a filé entre les pattes. Il a pris un avion pour Paris. Un mot de toi, un seul mot, un coup de fil, et on l'aurait coffré. Je ne sais pas quels sont tes ennuis, mais demain, tu m'amènes la nana qu'on enregistre sa déposition. Sinon, on va avoir des problèmes, toi et moi. À quoi tu penses? Rien de spécial. Rien de spécial. Allons, dis-moi tes secrets. Je n'en ai aucun. Menteur. Tu en as sûrement beaucoup. Ça fait partie de ton charme. D'accord. Que veux-tu savoir? Tout. Ce qui te plaît, à quoi tu rêves, tout ce qui t'angoisse. Ça fait beaucoup en une seule fois. Tu parles déjà si peu. Je parie que tu as des tas d'amis. Une fiancée dans chaque port, non? Mens-moi pour me rassurer que je me berce d'illusions. Je voudrais m'acheter un voilier et m'en aller d'ici. Où ça? Très loin. Tu as peur de quoi? Pourquoi je te le dirais? Ça veut dire quoi? Je te le dirai. Et si demain on faisait quelque chose ensemble? Tu veux faire une sortie en bateau? Ça te dit?
peux relever le pare-battage? Quoi? Le truc bleu sur le côté. D'accord. Alors? Tu veux que je t'emmène chez le médecin? Non, non, je vais... Il faut que je m'en aille. Il faut que je retourne à la galerie. Hey. On se verra plus tard. À 7h30 au bar. D'accord. Bonjour, Roman. Salut. Il y a des nouvelles de la fille sourde? Tu sais des choses là-dessus? Ben, c'est moi qui ai enregistré sa déposition au commissariat. Et quand il y a eu le meurtre de Mannheim, je me suis dit qu'elle avait peut-être eu raison. Mais le service du traitement informatique s'est plaint que tu avais effacé le dossier. C'est vrai, cette histoire-là? Oublie tout ça. Dis-moi, tu arriverais à te souvenir de ce qu'elle t'a dit? Bien sûr. Surtout que c'était une chouette pépée. Alors, raconte. Bah, elle est venue, oui. Et elle m'a dit comme ça, qu'elle lisait sur les lèvres. On t'a posé un lapin, on dirait. Oui. Qui ça? Ah oui, la fille de l'autre jour. Peter. Tiens donc. Alors, tu veux que je t'embrasse? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas? Non. I love you. Je t'aime.
commissaire Lohmann. Je dois vous parler d'urgence. J'ai un truc bien dégueu pour toi. Ton curriculum vitae ? Non, la cool girl. T'avais raison, c'était pas catholique. Un autre docker a confirmé l'histoire de la voiture sur l'embarcadère. Et qui était assis aux premières loges ce soir-là, tu peux me le dire ? Non, vas-y. Un candidat pour Hambourg. Heinrich Mannheim. Merde, Billy. Et attends un peu. Ça vient d'arriver sur la ligne réservée aux sourds muets. Ça doit être urgent. Là, à téléphoner. Merde. Non, c'est pas vrai, ça. David, je reviens dans 15 minutes, d'accord? Si les invités débarquent, tu les retiens un grand coup de petits biscuits et de champagne, ok? Ok. C'est pas moi qui l'ai enfoncé comme ça. Ah non, vous regardez même pas où vous allez. Bon, ça suffit. Garez-vous dans la Grommannstrasse. Oui. Allô, c'est Lyndon.
Alors, tu l'as eu? Je n'arrive pas à la joindre, quelque chose ne va pas. Réessaye, d'accord? D'accord. Que se passe-t-il? Ah, enfin! Allô? Seloman, où est-ce que t'es encore allé te terrer? Billy? Attendez-moi dans la voiture. Il y a une arme dans la boîte à gants. Si quelqu'un d'autre que moi s'approche de vous, vous partez aussitôt ou alors vous tirez. Entendu? Lohmann! Billy est leur complice. Oui, je le sais. Léo. Pourquoi tu m'as fait ça? Je t'appelle une ambulance. Ah, va te faire foutre avec ton ambulance. Je vais devoir t'arrêter, mon vieux. Je préfère que ce soit toi qui m'arrête. Manaïm se trouvait sur le port lorsque cette call girl est morte. Quel est le lien entre les deux? Pourquoi tu as effacé la déposition de Laura? Qui voulais-tu couvrir? Un ami. Tu as parié sur le mauvais cheval. Et
Puis jusqu'à maintenant, on avait toujours résolu les problèmes à deux. Je suis tout seul cette fois. Tu veux tirer, enlève le cran de sûreté. Ici, Tannauer. J'ai besoin d'une ambulance 68 Gromansweg. On a tiré sur un policier. Terminé. Tu joues au bon flic maintenant? Tu penses pouvoir traîner tout le monde dans la boue avec tes mensonges? Tu n'as aucune idée de ce qu'est l'amour. Dis-leur que je suis au port. Aller à l'hôpital. Ah, bas les pattes. Tout va bien? Où est Billy? Loman, est-ce Madame Tillman? Vous avez deviné. Bonsoir. Je viens d'apprendre que le dossier qui a été effacé et la mort de Mannheim était lié. Et c'est Tannauer, c'est lui qui a effacé le dossier. Vous en savez plus que moi. Est-ce que le nom de Helmut Reiger vous dit quelque chose? Mannheim était l'un des opposants les plus farouches de Reiger et de ses projets pour construire un nouveau port. Ce qui veut dire que Reiger avait un mobile pour le tuer. Et Tannauer, quel était son rôle? Nous avons étudié son dossier personnel. Tannauer avait été traduit en justice et le témoignage à décharge de Reiger l'a totalement innocenté. Essayez de lire sur mes lèvres, Coupe. J'en sais foutre rien. Il y a encore une chose. Votre associé est recherché par toutes les polices. Ça, ça vous cloue le bec. Thank you.
que tu partes, ils veulent t'arrêter. Ils veulent t'arrêter, écoute-moi, Billy. Écoute-moi, Laura. Ça ne va pas, Billy. Elle a de jolis yeux, ta copine. C'est bien qu'on finisse par se rencontrer, Laura. Mais pourquoi justement ici, Billy? Le coin a déjà une histoire. C'est parfait pour un petit accident. Pense à la Call Girl. Je te tirerais mon chapeau si j'en avais un. C'est vrai que tu es un bon flic. Oui, j'avais rarement couché avec une fille aussi nulle. Pour sniffer sa coque, elle était championne. Mais le reste... Je te rappelle que j'ai respecté mes engagements. Ça vaut quelque chose à tes yeux? Je te vois sur un grand voilier. Un deux-mâts. Tu vogues vers la liberté. C'est très tentant. Billy! 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 Non! Non! Venez, en file. Tu es toujours le tueur de ces dames. Venez, venez! Qu'est-ce qu'on fait du corps? Laisse-le là. Qu'est-ce qu'on attend? Bute-le, j'en ai marre de ce type. Billy, fais attention! Elle meurt avec toi. Laisse-la partir, Helmut. Tout est terminé. Le seul témoin, c'est elle. Laisse-la, je te dis. Un coup de feu, Billy, et nous sommes libres. Ça vaut le coup, à ton avis? Tu vas te retrouver en tôle. Et pour cette Laura, tu vas trahir ton ami, réfléchis à ça. Jamais. Jamais nous n'avons été amis. Reste tranquille, Billy. Voilà. Calme-toi. Calme-toi. Voilà. Thank you.
suis venu t'arrêter. Jamais tu cesses de faire des blagues, Léo. Bonne chance. Hein? Tu en auras besoin.